encore à la bourre. Lundi, 9 septembre, 8h. Les informations dans le monde. Vous les cherchiez, nous les trouvons. Ça risque pas. Au sujet du suicide dans les locaux de Société France Paris, les parents de la suicidée ont déclaré qu'ils allaient porter plainte contre l'entreprise. Il apparaît qu'elle était aussi une peintre reconnue dans le milieu de l'art dynamique. Et malgré son caractère cyclothymique, disent ses amis peintres, Natacha possédait... Ça va? T'as pas envie de partir quelque part? Pourquoi pas la lune? T'as pas vu ma tasse à café? Je sais plus ce que j'en ai foutu. J'avais un poisson rouge quand j'étais petite. Dans son bocal, il y avait des algues, du sable, des jolis coquillages. J'adorais le regarder pendant des heures. Il filait comme un éclair. Parfois, il se cachait dans sa grotte. Un jour, je l'ai retrouvé sur la moquette, il avait sauté. Julien. Oh, putain, vivement qu'on déménage, ces bureaux vides, ça me fout les boules. En fait, je suis désolé pour... Merci pour la gerbe.
Bon. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai une nouvelle mission. Ah bon? Ouais. J'aurais dû jouer dans le caméléon à l'Aise-Partout. Mais bon, il y a ce con de nouveau boss, là. Mais bon, je vais me le mettre dans la poche en deux temps trois mouvements, t'inquiète. Au taquet, hein? T'as stick ton sourire tous les soirs? Je te comprends pas. Tu me comprends pas? J'ai qu'à regarder dans le rétro, il y en a plein qui veulent me foutre dehors. Couvrir son cul, c'est le mot d'ordre. Toujours à fond, hein. T'as pas peur de sortir de la route un jour? Mais tu pètes un câble ou quoi? Une fois la télécommande en main, on la lâche plus. Dormir dans une tente igloo, ça te branche? Réveille-toi, il faut, tu peux pas fuir parce qu'il n'y a pas d'alternative, ok? Excuse-moi. Oui, Julien Sauro à l'appareil. Oui, deux minutes, je demande à ma secrétaire. Au fait, j'ai un nouveau numéro. Tu m'appelles? Oui, allô? Bah écoutez, y a pas de problème, hein. Ah, vous savez bien que j'aime pas attendre, hein. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Et comme vous pouvez le constater, je débarrasse ce qui reste. Allez, on débarrasse. Je suis le remplaçant de Natacha Ducret. Amie n'est pas là? Elle va pas tarder. C'est ton plat préféré. Ça t'exaspérait que je mangeais à toute allure. T'adorais venir ici. Tu disais que tu te sentais comme chez toi. Tu te rappelles? Vous êtes avec quelqu'un? Vous suivez toujours les gens comme ça? Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Oui. J'étais trop con. Ça aurait changé quelque chose? On aurait pu... J'aurais pu être plus fort. Si vous vous accusez d'impuissance, alors oui, c'est vrai. Et maintenant, vous allez faire quoi? Tout foutre en l'air et partir? C'est tellement injuste. Je l'aimais. Vous vous cassez! Mais j'ai pas fini, je vais vous dire moi ce que vous faites. Même si vous voulez pas l'entendre. Vous vous réfugiez à l'intérieur. En fait, vous êtes un lâche.
Le héros décide alors de partir. Bon, alors tu viens ? Merde. Ça fait 3 fois que je t'appelle. Non, mais tu sais que j'aime pas être en retard. On va passer pour quoi devant les autres, maintenant ? Toujours dans la lune, hein ? Mon héroïne. Ah bah, tenez, je vous présente Stéphane. Salut. On prévoit quoi pour ce midi ? Oh, le petit resto italien.